Alors, cette conférence de presse était importante puisqu'elle est un petit peu le bilan des 18 mois de transformation, de mutation de l'Institut Mode Méditerranée de la Cité Euro-Méditerranée de la Mode, qui s'est donc mutée en Maison Méditerranée Métier de la Mode, et puis d'installer donc trois structures importantes, Maison de la Formation, Maison de la Création avec sa dimension euro-méditerranéenne et son positionnement de Marseille comme révélateur et accompagnateur de la mode euro-méditerranéenne, et puis bien sûr les marques marseillaises, de plus en plus créatives et de plus en plus ouvertes à des marchés internationaux. Il est important pour la Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode de s'appuyer bien sûr sur des partenaires prestigieux et des partenaires extérieurs, et cette année nous avons la chance d'avoir aux côtés de la Maison Chanel, qui est un partenaire je dirais historique, et bien la Maison Dior. Sidney Toledano est également administrateur de la Maison Méditerranée de Métiers de la Mode, qui a aussi rejoint la Maison Repetto, Longchamp, Darel. Et nous sommes en attente de Pierre Berger, qui soutiendra la Maison Méditerranée de Métiers de la Mode, et d'autres prescripteurs que je vais rencontrer dans les mois prochains. Donc ce qui est formidable, c'est à la fois d'avoir le soutien des collectivités territoriales et d'avoir bien sûr ces partenaires nationaux, très impliqués d'ailleurs dans la gestion, très impliqués dans la gestion de la Maison Méditerranée des Métiers de la Mode. Et pour preuve, le 25 avril, pour le conseil d'administration, il se tiendra chez Chanel, rue Cambon.